Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de booster, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas n'importe quel booster que nous allons ouvrir parce que ce sont des boosters 7 de base et c'est trop bien. Pardon. Donc du coup je filme dans un parc, donc si vous entendez des bruits à droite à gauche, je suis vraiment désolée. Et nous allons faire du coup une battle, alors le vrai set de base, première édition, magnifique, contre du coup la réédition évolution. On verra lequel est le plus chanceux. Le but, réussir d'avoir Dracaufeu. L'aurais-je réellement? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Sachant que vous savez que j'ai rarement de la chance, en fait. À chaque fois que les cartes que... Enfin, celles que je veux, elles apparaissent jamais. Donc, on va voir. Alors, hop, ça c'est ma petite boîte pour ranger du coup les boosters. C'est parti. Donc, on va commencer avec Evolution. Autant terminer sur une bonne note, autant terminer sur un magnifique booster. Hop. Alors... Hop là, en plus il y a du vent, donc on va éviter de faire s'envoler les cartes. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, commençons, c'est parti. Alors, Ponyta, je peux les mettre dans ta boîte? Merci. Sac de nœuds. Aspicot. Sablette. Fantominus. Tétarte. Entretien en dresseur. Potion. Donc là, on doit arriver à la reverse. Potion. D'accord. Bon. Oh, une full art. Non, une axe. Excusez-moi, une axe. Dracolos. Je veux Dracolos. Mégaro Carnage. Je l'ai pas déjà eu, en fait, Mégaro Carnage. Je crois que je l'ai déjà eu, Mégaro Carnage. Attendez. Hop, je vais vérifier juste en vitesse. Je crois que quand j'avais fait l'ouverture, j'avais eu Mégaro Carnage. Hop, donc évolution, dépêche-toi, évolution, hop, je vais voir ça en vitesse. C'est, eh ben si, c'est mes Garou Carnage que j'ai eu, c'est Parou Carnage. Bon, une ultra en double, ah c'est pas grave, elle partira à l'échange, cette petite merveille. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors du coup j'ai ouvert un Florizarre, donc là ça va être plus délicat. C'est trop bien, alors on fait descendre tout le monde. En plus vous voyez à l'époque quand même ça coûtait moins cher, maintenant ça coûte super cher, on avait 11 cartes et là on en a 10. Allez chercher la logique. Alors du coup, oh purée, j'ai tellement pas envie de les abîmer. Est-ce que ça souffrait bien à l'époque? Non. Merci. Ah, là, elle vient de me défoncer mon booster. J'ai pas fait exprès. Attends, non mais tant que je défonce pas les cartes, c'est bon. C'est moi qui récupère le booster vide après, voilà. C'est que moi je veux récupérer le booster vide pour montrer que j'ai réussi en fait à ouvrir, que j'en ai ouvert au moins une fois dans ma vie. Voilà, donc là c'est bon. Donc à l'époque il devait pas y avoir le 1-2. Eh, c'est le moment de sortir là, allez sortez. Ouh. Je tremble moitié en plus, c'est une horreur. Est-ce qu'il y avait le 1, 2, 3 à ton avis? Il me semble qu'il fallait enlever les deux premières, mais je veux pas dire de bêtises. Donc, le premier, à l'arrière, on peut le faire normalement. Et puis... On le fait normalement et puis on verra bien qui c'est, comment c'est. Alors, hop. Oh purée. Alors, énergie combat. Hop, on va en prendre grand soin. Énergie foudre, bah tiens. Énergie psy, non? Raichu, en rare. Bon, comme ça, on sait que c'est... Alors, c'est 1, 2. C'est l'holographique. D'accord, donc c'est 1, 2. Et ensuite, il faut... Voilà, c'est ça, c'est 1-2 et hop là. Ah, un Raichu 7 de base, première édition. C'est trop bien. Ah, alors, on va continuer. Hop, tiens, Nidorino. Tétarte. Voilà, je dépose délicatement dans la boîte. Professeur Chen. Chenipan. Ponyta. Alors, le Ponyta, je sais que je l'ai eu tout à l'heure. Hop, regardez. Donc, à ma gauche, donc le véritable set de base, et à ma droite, la réédition. Ah oh là là, cette merveille. Cette merveille. Hop, Titar. Et du coup, ah non, suppression d'énergie. Et du coup, Machoc. Ok, bon. Ça aura été pas mal. Mais du coup, au moins, je sais comment les ouvrir. On va garder Totor, parce que vous savez que j'adore Totor. Je suis une grande fan de Totor. Hop, évolution. C'est parti. Florizarre. C'est moi ou je les ouvre vraiment comme une merde aujourd'hui? Je crois que je suis tellement stressée à l'idée d'ouvrir du set de base que je fais mes ouvertures de booster extrêmement merdiquement. Je suis désolée. Alors, hop, pas bouger. Hop, pas bouger. 1, 2, 3, 1, 2.
Hop là, on met ça correctement. Alors, ah, énergie combat, tiens, ça faisait longtemps. Attends, hop, pour faire comme la petite suppression. Magikarp, oui, Magikarp. Onyx, Sablette, Goupix, Spectrum. Oh, le deux duo d'Imakuni, c'est la seule secrète qui me manquait. Je suis trop contente. Et regardez-moi ça, on dirait Pédobir qui court après un Doduo quoi. La gueule du Doduo, what the fuck. Mais les cartes d'Imakuni, franchement, elles sont magnifiques. Crisacier, en reverse, on a Machoc, et en rare, en normal, off, Ratatak. Ah, Canon Artichaut. Je suis pas sûre que je l'avais Canon Artichaut, je crois que j'ai surtout eu Ratatak. Pas mal, pas mal. Ouais, c'était une rare Canon Artichaut. D'accord. Ouais, c'est incroyable. Alors du coup, Florizarre. Hop, Florizarre. Bon, on essaye de l'ouvrir un peu mieux que tout à l'heure, mais j'ai peur. Ouais, bah c'est déjà foutu, j'ai déjà senti craquer quelque part par là. Allez, doucement, doucement, doucement. Non, c'est foutu, je le sens craquer là. Putain, mais même à l'époque, c'était de la merde à ouvrir en fait. Hop, on va ouvrir un peu mieux là. On fait très attention, doucement, doucement, doucement. Ouais, c'est pour ça que je l'ai déchiré bien comme il faut, quoi. Bon, c'est pas grave. Hop là. Alors, voilà, donc là, c'est bon. Tiens. Hop. Donc, dans ce sens-là, donc là, c'est une, deux. Et du coup, celle-ci, normalement, c'est la rare. Si je me suis pas trompée. Hop là. Alors, énergie plante. Je veux pas dire, mais dans les sets de base, il y avait beaucoup d'énergie. Oui, énergie électrique. Deux énergies à chaque fois. D'accord. Nidoking. Mais merde, j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Alors du coup, non, il est devant. Il est tout devant. Donc, c'est... Il est devant, du coup. Je prendrai les trois premières cartes et je le mettrai derrière. Merde. Double énergie incolore. C'est super bien. Ouais. Tétarte. Encore ici. Hop, je fais attention. Lipoutou. Ne vous envolez pas. Ne pas vous envoler. Ne pas vous envoler. Hop. Voltorb. Ponyta. Chenipan, Machoc. Et transfert. Et le transfert. Bon. Ouais, si pour le moment ça va, j'ai quand même pas trop à me plaindre. C'est quand même plutôt une bonne pioche. J'ai une merde, ouvrir du set de base, tout est une bonne pioche dans ce genre de vidéo. Alors, ah, le Tortank il s'est bien ouvert. Donc peut-être que le Tortank sera plus facile à ouvrir. Hop là. Donc, hop, je vais le mettre là pour séparer. Hop, 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Alors, Aspico. Hop, Ratata. Sac de nœuds. Starry. Énergie combat. Nidorino. Indice du professeur Shen. Reptincel. Oh, Dracaufeu en vue ou pas? Reverse, Spectrum. Allez, je veux qu'elle soit rouge. Je veux qu'elle soit rouge. Je veux qu'elle soit rouge. Rouge! Elle est rouge! Oh, Dracaufeu, Dracaufeu, c'est là. Ah non, c'est trop loin, 15ème, c'est pas possible. Fenard! Non mais merde, je suis contente! Parce que Fenard, il est magnifique, c'est l'une des cartes rares qui sont les plus belles pour moi. Ah, ah elle est magnifique. Fenard! Ah, elle est super belle. Mon dieu. Ah, elle est divine. Elle est divine, elle est divine. Alors là, est-ce qu'on peut espérer avoir le Dracaufeu? Hop, on va essayer d'ouvrir ça correctement. Correctement. Hop là. Bon, allez hop. On va essayer correctement. Hop. C'est pour ça que c'est pas... c'est une cata à ouvrir. Purée, je veux vraiment pas les abîmer. Je veux garder... Je veux vraiment pas les abîmer, quoi. Mince. C'est pas tous les jours qu'on ouvre du set de base, alors zut. Hop là, on va essayer de l'abîmer le moins possible. Même si c'est que des boosters vides, au moins ça me fera un petit souvenir. Hop là. Donc alors, on va garder les trois premières. Hop, on va garder les trois premières. Et c'est, alors, 1, 2, 3, hop, comme ça. Ça se trouve, ouais, à l'époque, c'était l'inverse. Elle était dans les premières et... Non, c'est bon, c'est pas la rara où j'ai eu peur sur le coup. Arcanin. Oh, la mantine, il est trop beau, la mantine. Double énergie incolore. Pour le moment, on est sur la bonne voie. C'est pas la rare. Staros.
C'est bon encore. Nidorama là. On a encore une chance. Fantominus. Aspicot. Rocoule. Ah ouais, le recoupe, ce qui était rare, quoi. T'as bien quand même. Géré, là. Attends, on n'est pas à la fin. Attends, ah non, énergie psy. J'étais en train de me dire, attends, il y a un problème avec cette carte. Énergie haut, et je crois que c'est bon, les amis. Le suspense. Est-ce que c'est rouge? Il faut que ça soit rouge. Non. C'est le. Ah, j'espère que c'est pareil. Élector. Ah non, franchement, c'est cool quand même. Élector, il est magnifique. Joli. Pas mal. Ah, il est tout beau. Bon, bah voilà les amis, donc je vous montre en vitesse les rares, les jolies petites perles quand même obtenues dans cette ouverture. Bon, de toute façon, on arrivera facilement à reconnaître les sets de base. On va tout mélanger. On reconnaît plus maintenant. T'as du mal. Hop. Ah, là, Élector qui a pas trop voulu rentrer. Alors du coup, Élector magnifique du set de base. Le Mégare au Carnage X d'évolution. Dodio di Makuni d'évolution. Fenard, oh, évolution mais magnifique. Nidoking du set de base, trop belle. Et Raichu du set de base. Donc quand même plutôt une bonne ouverture en soi, parce que de toute façon, mince, je vais pas ouvrir du set de base tous les jours. Donc c'est tout simplement divin, je suis trop contente, magnifique, voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, et surtout n'oubliez pas, dans Pokémon, il faut tous les attraper.